Bonjour. Cette semaine, Megamix passe à l'heure du nouvel âge. Mais quelle est donc cette musique inclassable, insaisissable et tant décriée? La New Age aurait l'ambition, pas moins, de réconcilier musique et spiritualité. La New Age est un phénomène paradoxal. D'un côté, les musiciens réfutent le genre et accusent les maisons de disques d'un nouveau coup commercial. De l'autre, le public semble insaisissable comme un groupe d'initiés qui se refilerait des bons plans en marge des médias et du business. Et tout se passe comme si la New Age était un genre confidentiel. Pourtant, la musique New Age se vend énormément aux États-Unis, en Europe et au Japon. C'est même l'un des gros vendeurs du moment. Alors la New Age, le swing de l'âme ou une conspiration d'escrocs? Megamix vous propose un zapping planétaire à l'heure du nouvel âge. Claude Challes, l'ancien patron des bains-douches, passionné total du Nouvel Âge, a organisé pendant des années des soirées New Age au Bain, le fameux club parisien. Claude Challes voulait monter une radio New Age à Paris. Il anime aujourd'hui Magic, une émission thématique sur Radio Nova. L'onde qui mène au rêve. Magic. Un voyage musical, cosmique, piloté par Claude Challes. Salut ami, salam habibi, shalom sur tous les hommes. Mon cher auditeur, magique novateur, j'espère que tu es comme moi, un enfant du Verseau. Pas le Verseau du signe astrologique, mais l'enfant de cette nouvelle ère que l'humanité va enfin vivre. L'ère de la vérité, de la lumière. Et de l'esprit. C'est Kitaro qui disait « Ma musique n'est pas spirituelle, mais elle déclenche la spiritualité de l'auditeur. » Et je crois que depuis toujours, même dans la grande musique, dans, par exemple une messe de Mozart, un requiem, te fait rentrer cette musique qui te rentre en toi et qui te fait émouvoir et qui te ressort une émotion qui t'approche du divin. De tout temps, l'homme a eu besoin de ça. Aux États-Unis, la musique New Age se vend énormément, énormément. Des gens comme Andreas vendent des tonnes de disques, des millions de disques, les gens ne savent pas. Des gens comme Vangelis vendent des millions de disques. C'est les plus gros vendeurs de disques. On croit toujours que c'est Michael Jackson et Prince qui vendent le plus de disques. C'est pas vrai. Des musiciens inconnus, par exemple, je prends un musicien comme Patrick Cohen, qui est très peu connu. Bon, Patrick Cohen vend des millions de disques. C'est une musique universelle, c'est une musique qui se prend dans tous les coins de la planète. Le meilleur disque du moment acheté, j'en ai déjà parlé, William Orbit. C'est dans ce mix-là que je le mets. Parce qu'on est à 23h, on est au milieu. Aujourd'hui, nous sommes devant un problème fondamental. Nous sommes devant un moment de l'histoire de l'humanité, un des plus graves. C'est-à-dire, selon notre choix, on va vers la catastrophe ou on va peut-être vers le vrai bonheur, mais le vrai bonheur planétaire, qui est la vraie révolution. Moi, je dis révolution, c'est rêve-évolution.
Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de vraie révolution. La vraie révolution, c'est la révolution en soi-même, la révolution de chacun. Et en apprenant chacun à s'éveiller et à s'ouvrir sur les autres, à s'aimer, on va commencer à aimer tous les autres. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir peut-être faire construire un monde d'harmonie, un monde de beauté. Et on ne peut plus vivre avec une partie de la planète qui veut perdre 3 kilos, 2 kilos, voilà le problème de certaines parties de la planète, et les 3 quarts de la planète, ou les 4 cinquièmes de la planète, qui crèvent de faim. C'est plus possible. Donc, c'est obligé de changer. Moi, je crois que l'imagination doit arriver au pouvoir. L'imagination, ce sont les artistes, ce sont les créateurs, c'est ces gens-là qui, normalement, peuvent amener un côté utopique à ce changement et ce bouleversement. Moi, l'utopie, j'y crois. Kitaro est le musicien japonais le plus populaire de l'histoire contemporaine. Ses albums se vendent par millions au Japon, mais aussi aux États-Unis et aux quatre coins de la planète. Megamix, le chantre nippon de la New Age, en concert. Concrètement, la New Age gagne du terrain. En 88, et à la surprise générale, la jeune Irlandaise Enya se propulse sur la scène internationale grâce à des chansons pastel, douceurs vaporeuses et romances éthérées à souhait. Son premier album s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Le rap lui-même se mixe à la New Age. À New York, PM Down concocte une espèce de rap mystico-New Age. En Europe, la vague ambiante se répand. À la croisée de la New Age et de la dance, l'ambiante réunit deux publics qui ne se rencontraient pas jusqu'alors. Témoin de cette dance music moelleuse, l'électronique conviviale des néo-planants français, Deus Ex Machina.
Ceux qu'il a voulu faire disparaître servent aujourd'hui d'exemple à l'homme blanc dans sa quête spirituelle. Les Indiens et la New Age, c'est une vieille histoire. Santa Fe était la capitale New Age. Aujourd'hui, la New Age s'est déplacée en Arizona et les Américains découvrent aussi la musique des peuples indiens. Le Sioux Tree Cody nous raconte la légende du bois qui chante. The story I'm going to tell you is the story of the legend of the flute. The story goes there was a young man who was out hunting for food for his people. He followed the elk, but the elk, being very cunning, led him deeper into the forest. The young man soon realized that he could not get away. So he found a place to sleep. He heard a very strange and mournful sound, a sound he did not understand. It was beautiful, but very mournful. The next morning he woke up. He heard the sound of woodpecker, wagamaha, doing what woodpeckers generally would do on the trees, making holes. But then the woodpecker flew from the next tree and to another tree, beckoning the young man, follow me, I have something to show you. And he followed Wagmoha. Wagmoha led him into a grove of red cedar trees. There he sat upon a long branch, about the arm length. He made holes in these branches. As he made the holes in these branches, a wind came up. And there, that same mournful sound that he had heard the night before, he heard again. Now, Wagmoha went away, and the young man took the branch from the tree. He broke it off, and he offered the tobacco, and he took it back to his people in the village. Though he did not bring back meat and food for the people, he had brought something new to the Sioux people. Though he blew into it, he waved it in the air. He did everything to reproduce that sound he had heard in the forest. But he could not do this. Then he sought the help of a traditional Iwachashawaka, the holy man of the village. And there they sat him upon the village on the hill. As they sat him upon this hill, he went and he prayed. And then it was the third day of his vision that the spirits came to him. There, Wagmoha turned himself into a man. He showed the young man how to make the medicine, how to offer the tobacco, how to break the branch, and how to make the holes and carve the traditional siotantka. Now the young man knew the secret of how to make the siotantka. In our Sioux language, it means the wood that sings.